Thierry Olive, agriculteur de l'amour et dans le pré en 2011, était invité dans Touche pas à mon poste ce mardi 2 février. Victime d'une agression à la hache de la part d'un voisin, l'agriculteur en a dit plus à Cyril Hanouna. Thierry Olive, plus suivre ne plus suivre Cyril Hanouna, plus suivre ne plus suivre qui voudrait du mal à Thierry Olive, candidat heureux de l'amour et dans le pré 2011. L'agriculteur, joyeux et généreux, heureux en couple avec Annie, rencontré grâce à l'émission de Karine Lemarchand, a pourtant été victime d'une agression le samedi 30 janvier dernier non loin de son exploitation. Comme il l'a indiqué sur le plateau de Touche pas à mon poste ce mardi 2 février, Thierry Olive a été approché par l'un de ses voisins, muni d'une hache, le week-end dernier. Un farfelu, qui lui voulait du mal et qui aurait pu mettre un terme à son existence. Considérant sa présence sur C8 comme un miracle, l'agriculteur est ensuite entré dans les détails glaçants du drame qui a failli se produire. Alors qu'il se baladait sur un chemin communal avec ses bêtes, le fameux voisin a interpellé Thierry Olive, il est venu et il m'a dit qu'il avait à me parler. Un farfelu, à mon avis, il a dû voir les émissions de l'amour et dans le pré qui commençaient lundi. Moi c'était samedi, il s'est ramené en courant, en me disant, je vais te faire ton affaire, et il levait la hache. La hache à presque 20 cm, toujours sous le choc en racontant les faits, Thierry Olive a vu sa vie défiler devant ses yeux, j'ai eu la hache à presque 20 cm. J'ai jamais vu ça de ma vie, à peu de choses près, je n'étais pas là ce soir. Conscient d'avoir été victime d'un coup de folie de ce voisin qui aurait pu mal tourner, l'agriculteur avoue avoir peur aujourd'hui de la notoriété qu'il a acquise en participant à l'amour et dans le pré. Thierry Olive n'est pas resté sans rien faire. L'éleveur normand de 53 ans a porté plainte et demandé aux autorités que le permis de chasse que l'agresseur détient lui soit retiré. Papier de sa déposition en main, l'agriculteur souhaite à tout prix que sa demande aboutisse pour le bien de tout le monde. Espérons pour lui que sa requête soit honorée.